C'est comme enfant vert, pourquoi il est pas vert? Enfin, pourquoi il est pas transparent? What the fuck? Yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, incroyable! What the fuck, un Ava, incroyable! Voilà, c'était pour vous dire qu'on allait voir un Ava. Non, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, la miniature. Bah, du coup, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Alors, je sais pas, il y a peut-être. Ah, mon fond vert, il part en vrille. Pourquoi tu fais ça, le fond vert? Pourquoi? Pourquoi maintenant? C'est de quel côté? C'est là? C'est là. What the fuck, what the fuck? What the fuck, rend pas fou le fond vert. Ouais, y a pas de montage, y a pas de coupure. Là, on est presque dans les aléas du direct. Oui. Holy shit! Oh. Yo! T'es en direct Godzilla, quoi. C'est horrible ton truc là. Le docteur. Je crois que je vais crever de faim, moi. Ah, je vais demander à Croxy s'il peut venir montrer Hippospino. Mais il peut pas, il m'a dit. What? Ah, c'est vraiment infâme. Attends. T'en refais, j'étais trop en dessous, fais voir. Oh mon dieu, mais ça. Il y a un problème génétique là. J'ai l'impression que la hitbox. J'ai quand même l'impression que la hitbox de ce truc là est encore plus éclatée que la hitbox du vrai quoi. Bah, le truc Ouais. c'est que de toute façon, la hitbox ça sert à rien si tu te fais mordre par ça. Ah oui, ah bah Ouais, j'étais bon, juste à côté. en fait, ouais, mais KVT, tu veux que tu dises, les hippos c'est marrant 5 minutes, mais après les combats c'est un peu des combats d'attardés, c'est comme si tu voyais Durex se fight. Ah bah, Ouais, abuse. C'est c'est exactement ce que je pense. C'est des combats d'attardés, les combats de Rex. à part Hippo Rex qui pète la patte. En Ouais. plus! Mais Mais par contre. sinon, moi je te. Ouais, vas-y. Spino, t'y pâches, je me demande si j'arrive à faire la même chose qu'en Spino, c'est-à-dire Ice Ride le giga Pourquoi il est pas avec très la giga. maniable? Si, Je sais si, pas. il est quand même maniable, mais bon, j'ai l'impression que. En fait, le seul truc qui change chez les hippos, c'est la vitesse. C'est seulement la vitesse. Parce que j'ai Ouais. l'impression qu'ils ont la même stam. Ouais, la bite force aussi, non? Non, non, je crois qu'ils font tous 20 tonnes et 1200 de beat force. Ouais, enfin ils ont la même beat force, mais vu qu'ils sont plus gros, ils tuent plus vite quoi. Enfin, c'est l'idée. Mais Ouais. pas le cardo. Le cardo qui va. Il y a combien, c'est quoi ses stats? Je sais pas, mais ils tuent très vite hein, le Carnotypage. Hein. Je Le sais cardo qui va, qu'il. il fait la taille. Ouais. Bah, du coup, Ouais, ouais, mais tu. sachant Ouais, qu'avec un. voilà, c'est ça. Sachant qu'avec un Hippo Giga et puis un Hippo Rex, tu dépopes les Giga en deux coups et puis les Rex en deux coups. Et genre, les Rex et les Gigas quand ils t'attaquent, tu sens rien en fait, non? Du coup. Pas grand chose, j'ai testé sur un Hyporex, lui il fout juste 1,2 de bide. Ouais, bon, de toute façon, moi je pense que Hypo Giga en ce moment c'est plus pourri des 4. Ah ouais, c'est vrai? Bah ouais, parce que en fait il court qu'à 37 km/h. Oh le pauvre. Tandis que Hyporex il court à 47 km/h. Et Ouais, mais puis. il marche. Le giga ici pâche, il marche plus vite que les autres. Ouais, mais 47. bon, vu que t'as une stam de malade, à un moment avec Hyporex, j'ai traversé la moitié de Zenway. J'ai à peine perdu la moitié de ma stam. Ah oui, quand même. 47 km/h le Rex. C'est abusé. Ouais. C'est une voiture le truc. Ah, c'est Ouais, abusé quoi. donc en gros, en hypogiga, t'as aucune chance. Ouais, bah non, Ouais, bah. sauf que. Ouais, mais l'hypogiga, bah putain, t'as aucune chance. Et par contre, le Spino, je sais plus, je sais que le Carnot c'est 62. 62 km/h. Après, Toujours plus. le Spino, je sais plus. Hein. Faudrait demander à Croxy ce que ça donne. Et du coup, ça marche pas les nests hein, avec ces trucs-là, là. Bah, faut être des femelles, mais bon, comme les Chinois ils te give quand même. Ouais, sinon c'est ça pullule après. Hein. Ah, voilà le Rex. Il veut quoi le Rex? Je fais un petit rond quoi. Bon, pour Irex, je trouve qu'il y a une gueule assez banale. Ouais. Après, le truc, c'est que vu que je suis un juve, j'arrive pas à voir s'il y a vraiment une énorme différence de taille avec un pas juve, quoi. C'est combien de temps la 20 prog? tonnes, 1200 newtons. Ben, 0 seconde, vu que tu nais directement fouille adulte. Ah, d'accord, ah, ouais, bon, ça va, c'est rapide, du coup, c'est pas chiant.
Il est incroyable. Hein. Après, c'est vrai que le giga est plus. What the fuck, hein, quand même. Il écrit, docteur. Là, c'est écrit Amikoy. Attends, je vais te refaire le broadcast. Ouais. Ah, oui, quand même. Et je vais te faire un cri agressif. C'est vrai que ça perd très sympa. Ouais, peut-être c'est vénère quand même. Mais ça va, le T-Rex il est pas abusé en vrai, ça va. Je préfère. Je préfère mieux quand même la tronche de Hippo Giga. Bah, il a pas la bouche qui s'ouvre en deux, hein, le Rex. Ouais. Je suis sûr que je t'ai mis 32 bleeds là. Non, j'ai même pas de bleed. Ah, mais je pense que je te fais 0 dégâts en fait, c'est pas possible. Et ah, il y a des petites gouttes de sang quand même. Je fais quelque chose à ta carapace. Ouais, mais moi je bleed pas. Bah, non, mais non, mais bon, c'est. Sûr. Mais bon, y a pas de, par contre, il répare très vite. C'est à peine allez, peut-être une minute ou deux. Ouais, il est full JT en fait, c'est ça l'idée quoi. En fait, l'idée c'est qu'il est complètement pété ce truc. Ouais, de toute façon, pour le moment, Hippo Giga il est pas très intéressant. À part pour les creeps, il y a beauté. Ah, et puis il y a Night Vision. Ah ouais, elle est abusée. Ouais, à peu près à Night Vision d'un Gio. Ah oui, quand même. C'est de HypoRex, je crois que c'est. Je dirais double du Rex normal. Combien? 47 km/h, c'est ça l'idée là? Ouais, 47 km/h. Vas-y, on fait une course jusqu'au lac. Attends, je me mets en crouch quand même. Attention, quand le Spino va arriver, il faut surtout pas passer quand il court. Ouais, tu me dis, il te tue. Ah! Ouais, il donne des coups de fou. 1, 2, 3. C'est nimp. Bah, moi je suis un bébé ouais, aussi. Ouais, truc. Le truc il court ultra vite. Ah puis ils ont un crunch mais bon faut attendre, il met très longtemps à s'activer. Ah bah en fait il va en marchant, tu vas plus vite que moi déjà. Ouais, je crois. Et ouais tu peux boire avec ce truc là. Ouais je peux, ouais on peut boire, manger. Ouais tu peux tout faire en fait, il fonctionne comme un dino normal quoi. Tu peux boire, manger, nest, tu peux tout faire en fait. Ouais. Tu peux sentir aussi? Avec Hipporex et puis Hippo Spino, oui. Mais par contre, Hippo Giga et puis Hippo Cano, je crois qu'ils peuvent pas sentir. Ok. Ouais, du coup, les types H, ils sont plus avancés que. que certains dinos que tu peux jouer dans le jeu, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Moi, ouais, je pense que Hippo Giga est pas fini. Putain, c'est ouf, hein. Tu fais quoi là? Tu sens là? Là je suis en train de sentir. Attention Togmar, le Spino il va apparaître. Ok. Il y a un truc derrière toi. Olé, oh il est pas bien lui. Ah, ah ouais mais il doit au gène. Oh mon dieu. Il veut pas venir en vocal peut-être? Je sais pas. Enfin s'il va et pas. Et toujours plus quoi. mais je pense que niveau animation c'est Hippo Spino qui est plus fini. Ouais il a l'air fluide ouais. Nadia c'est un truc une animation d'une banalité. Ouais ouais ouais. Et tu fais du vélo on dirait là. Ouais. Ah tu l'as massacré un peu la dernière fois là, non? C'est toi qui as fait ça? Non. Si c'est toi avec ton giga là. Ah sinon je crois que merde c'est. Je crois que c'est Dragonia qui avait un Ptera ou un Quetzal. Mais vous avez tout, c'est incroyable. Bah moi j'ai trouvé le serveur, il y avait les admins et puis les Modo. Et je peux te dire que j'en ai invité du monde. Ah bah ouais attends. T'es dans un sale état quoi. Et là, moi, j'ai qui est beaucoup été Spino ici, je peux te dire qu'il est beaucoup plus grand que le Spino normal parce que
Le spino normal, il est pas aussi long que ça, hein. Ouais, mais je sais pas, en fait j'avais vu, j'ai vraiment du mal à voir la diff en fait, en Ah, comparaison aux bah, autres. je crois que déjà quand t'as un Hippo Giga est allongé, il est plus grand qu'un Rex debout. Ah oui, ouais, ça va, pas mal. Donc j'ai peur de toi? Oh mon dieu. Ouais, c'est mieux fait l'animation. Ouais. Bon, toi le tien? Non, toi tu bouges pas trop, non? Voyou, il Ouais, crie comme il ça. crie quoi, il crie. Oui, patin. Gentil, les Spino. Ça, c'est son cri Ouais, gentil, ça? Putain. Pino, hein. Oh mon dieu. Ah, il est stylé le Spino quand même. Hein. Ouais. Le Rex, il est plus normal en fait. Il est Ouais, il est beaucoup un peu plus basique simple. le Rex, ouais, en vrai. Il a pas trop abusé sur lui. Moi, ce que je préfère, c'est le Giga, mais bon, après. Ouais. Non, il est pas mal, Giga. Mais Giga, je sais pas, pour moi, c'est le plus emblématique. Avec la bouche là. Ouais, c'est vrai que Giga est beaucoup mieux que Eurex. Ouais, le Rex, il est un peu simple, quoi. Vrai, Ouais. mais il peut pas il la gagnera jamais avec en étant comme ça, mais bon. Bah, il veut se battre Docteur, là? il veut se Ah. battre contre toi. Contre moi? Ah. Olé! C'est. Ouais, les animations, elles sont incroyables, hein. L'animation du Spino. Il faut que tu regardes le crouch ou du scent du Spino, c'est assez intéressant. Bah, il va le faire. Ah oui, pas mal, ouais. Le Rex, il est aussi en crouch. Ouais, j'ai vu que là, c'était un gros jeu. Et ça y est, il a cassé la patte.